Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où en fait après on va jouer, mais d'abord on va ouvrir ça les gars. On va s'ouvrir ce paquet. En gros voilà, c'est parti. Donc, pardon si vous voyez ma jambe, c'est juste que sinon je vais aller. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait un outil là pour que ça ne se barre pas. Et donc voilà. On va voir s'il y avait un mec d'autre. Ah oui, il y avait le truc qui servait à rien. Voilà. Donc voilà les gars, ça on s'en bat les couilles. Mais voilà, ça là, voilà, ça. Donc les gars, je vais direct poser ma tablette là-haut. Voilà. Donc on va faire la partie 1. C'est parti. Voilà. Donc les gars, je vais juste l'ouvrir et le mettre dedans. Et il est bien dedans là. Ça me. Attends, je fais juste ça. Pour en mettre dedans. Merde. Parce qu'en fait, je sais pas faire le montage, donc voilà. Mais bon. Voilà. Donc c'est parti les gars. Version blanche, hashtag 1. Ça, c'est mieux. Pardon. Donc voilà, c'est parti les gars. On est parti. Désolé si j'ai galéré à ouvrir le paquet, mais bon voilà. Faut que je tienne d'une main alors. Game Freak. C'est parti. En fait, je laisse ça, le générique, juste la première fois, et après, je ne laisserai plus, les gars. Ne vous inquiétez pas. C'est parti les gars. Putain, les yeux rouges quoi, what the fuck. Donc New Pact. Hello, bienvenue au monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria, mais tout le monde m'appelle professeur Pokémon. C'est quoi mon Pokémon? Oh putain, ça m'a l'air ça. Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident, et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon, par exemple, sont très populaires et permettent d'approfondir les liens entre un Pokémon et son équipe. Donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Yes. Ouais, je suis un garçon. Alors, comment je vais m'appeler, les gars? Comment je vais m'appeler? Ouais, c'est Gaster. Chérin. Pianca. Ah, bah. C'est parti, on va bientôt aller dans le. Là, j'ai la flemme de lire, parce que ça sent rien.
printemps. Donc printemps. Ok. Game Freak Present. Pokémon version blanche. Je suis encore en retard. Ah là là là, Bianca, comment te dire? Je sais depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme qui est, soyons francs, plutôt lent. Mais bon sang, c'est aujourd'hui que le professeur qui était là distribue des Pokémon. Mais j'ai dit, j'étais désolé, bon Gaster, Tcheren. Bianca, ils sont où ces Pokémon? Ils devraient déjà être chez toi, Gaster. Donc c'est toi qui vas choisir le tien en premier, Tcheren. Cela va sans dire. Qui on va choisir? Oh là là là, qu'est-ce que c'est compliqué. J'en valais que du mot par contre. Ouais. Gricui, comme. Ça c'était sûr que j'avais pas un petit lui là. Allez, je prends celui-ci. Et pour Tcheren, ce sera celui-là. Dis-moi, depuis quand prends-tu des décisions pour moi? Certes, c'était lui, celui que je désirais depuis le début, mais tout de même. Ok. Bianca, bon, tout le monde a son Pokémon. Alors, vous savez ce que ça veut dire, hein, hein. C'est l'heure d'un combat de Pokémon, Tcheren. Bianca, si je puis me le permettre, ce n'est pas parce que qu'ils sont encore faibles que l'on peut s'autoriser ce genre de fantaisie en intérieur. Mais non, t'y connais rien. Ils sont encore tout mini et faiblards. Ouais, c'est ça, après la maison, elle sera complètement en ruine. Je vais pas me laisser abattre, je vais pas me laisser battre parce que la maison elle sera en ruine après. Dresseur Bianca. Elle a qui elle? Vipélia, ok, je lui pète. Est-ce que j'ai déjà Flamèche? On va voir ça tout de suite. Si j'ai Flamèche, c'est bien, mais ça sera pas bien pour le prochain combat. C'est pas grave. Oh merde, il va t'accord first. Nique sa mère. Mais pas de. Vous allez me dire, mais il est pas normal, petit troll, là. Il est sous l'emprise du mal, non, je déconne. Bam. Allez, 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 je te pète ta mère. Yes, yes, yes. Bon, après, s'il m'attaque, ça me fera mal, mais moi, je veux lui mettre le KO plus rapidement possible, en gros, c'est ça que je vais faire. Merde. Putain, dis ça, maman. Oui, j'ai gagné. Po, c'est qui papa, c'est WAM. Là, il va me faire charge. Non, il me fait pas charge. S'il m'avait fait charge, j'aurais été à 3 PV. Et comme là, je vais le mettre KO. Bah, GG WAM. Gricu charge. WAM. points d'XP. Est-ce que je peux level? Non. Sérieux, c'était bâtard. Putain. Ah. Bianca, eh ben, Gaster t'assure, j'ai comme le pressentiment que tu vas devenir un super dresseur. Bianca, tu as regardé autour de toi? Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les Pokémon, ils rigolent pas. Hein. Pourtant, ils sont si petits et si mignons. Je suis trop contente d'en avoir un. Enfin, un. Gaster, tu te fâches pas, hein? Ma petite Bianca, tu es irrécupérable. Yes, mon Pokémon a été soigné. Maintenant, à moi de te pète. Si tu fais un duel avec Tcheren aussi, comme il est super balèze, je suis sûr qu'il pourra se battre sans mettre
le bazar comme toi. Tu aurais une excellente idée. Avec mon exceptionnelle connaissance des Pokémon, aucun risque que cette chambre souffre davantage. Ouais, c'est ça, bien sûr, ma PS là, elle va être pétée après, moi je dis. Hein. Très bien, je relève ton défi, le frisson de la première fois. Moustillon, donne tout ce que tu as. Ah, je croyais qu'ils m'ont pas mis direct que je passe de level 6 pour pas qu'il y ait un désavantage. Hein, bon bâtard, hein? Hein, c'est ça? Bam. Ça va, il est beaucoup moins fort, le moustillon, ça se voit direct. Il a une beaucoup moins grosse puissance. Je sais que Vipilière est un très bon Pokémon, sauf que, bah, son évolution surtout, que eux deux ils sont pourrables, comme starter, ça je le sais les gars. Vous n'êtes pas obligé de me le dire, c'est juste que moi je prends celui que j'aime, pas celui qui est le meilleur. Ça c'était déjà plus simple ce combat, moi je dis, hein. 43. Je passe les lol. Ça fait plaisir les gars ça. Bientôt level 7. 500 encore. J'ai goûté la manière imprévue à la défaite pour ce premier combat. Mais cette sensation serait-je déjà devenu dresseur? Par contre, il va falloir s'excuser auprès de ta maman. Pour tout ce désordre. Mais ça va pas être mis en désordre plus, moi je dis. Je dis ça, mais bon. C'est déjà ça. Let's go! Ça c'est chiant ça que je peux pas courir. Ils font chier marde. Tiren, nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre. Pour le rangement. Le rangement, quel rangement? Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai plus tard. Vous ne devriez pas aller voir le professeur Kizaria par contre. Si vous avez raison. Veuillez nous excuser. Nous ne voudrions pas la faire attendre avant de lui présenter nos remerciements. Let's go! Oh non. Eh bien mon bébé. Oh non. Pas mon bébé, non. Non, 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 non. J'ai un Pokémon, je ne suis plus un gamin. Il faut que ton Pokémon puisse récupérer. C'est quoi ça? J'ai pas vu en fait. Vokit. Vokit. What the fuck, c'est quoi ça? Oh. Allez, bye bye. Stop. Abonnez-vous. Oh, fuck, putain, fils de pute, là. Dis ta mère, moi, je peux aller voir cette salope, elle a bien sucé. Je pense que c'est ici. Enfin, j'espère. Ça me ferait chier de retourner. Ouais, c'est là. Bouton cul. Non, non, et encore non. Moi, je suis un super dresseur. J'ai même mon Pokémon. Je peux partir à l'aventure. Ça ira, je vais attendre devant le laboratoire.
Ok. Go, let's go. Hello. Je m'en bats les couilles de lire ce qu'elle me dit parce que là c'est pas trop intéressant. Je lis que quand c'est important. Mais c'est génial, vous avez déjà participé à votre premier combat. J'en déduis donc que vos Pokémon ont commencé à vous accorder leur confiance. Mon instinct est infaillible. Ouais, sûrement. Alors, sûrement. Réflexion. Bah je sais pas. On va l'appeler Flambeur. Parce qu'en fait j'ai pas d'idée. Oui, il est B. Ah oui, je suis con. Quitter l'arrière. Je vois. Flambeur te plaît. Ouais, Flambeur il crame sa mère. Mais c'était pas drôle. Le Pokédex, bien sûr. T'en as là dedans, hein, mon petit chérène. Moi je savais déjà depuis, on va dire, exactement 5 ans. Mais bon, je dis ça ne dit rien. Bon, on va dire 7 ans. Je croyais qu'il y a des abonnés qui le savent depuis plus longtemps. Dites-moi ça dans les commentaires, au moins. Étape suivante donc. Je vais vous apprendre comment rencontrer des Pokémon. Rendez-vous sur route 1. Oh, 1. Let's go! Go! Let's go! Oui! On va y aller! Tu fermes ta gueule. Oh! Bianca! Et oh! Gaster, attends-moi! Oh, ah bah non, je pensais que c'était les choses. C'est tellement dommage. Un Pokémon sauvage apparaît, moi je fais du braconnage avec les Pokémon. Mais ça faut pas le dire. Ni vu ni connu, j'ai rien fait. Une belle écoute de parler. Mais un instant. C'est toujours moi le dernier, ça me fait chier. Sa mère, on est de pur. Pardon de vous avoir fait attendre. Je peux commencer mes explications. Lorsque vous rencontrez un Pokémon, la page correspondante de votre Pokédex Attention madame, il y a un Pokémon. Ça c'est de la grosse merde par contre.
Ratentif. Ah ouais, ça s'appelle comme ça. En espagnol, ça s'appelle comment? Attendez que je réfléchisse. Ça, bah, je sais plus. Niveau 2. Ça one shot pas? Bah, il la chatte. Hein. Tapez, moi j'ai rien de faire là les gars. 30 Pokéball, what the fuck? Pourquoi le capteur en train de merde? Pokémon il sert à rien dans sa vie. Sa vie? Eh ben il sert à rien. Attentif et attrapé. Que tu le rions, vous avez bien vu? L'idée est d'affaiblir le Pokémon. Un Pokémon en pleine forme est très difficile à attraper. Autant que possible, faites en sorte que votre Pokémon soit en norme ou paralyse celui que vous voulez attraper. Seul. Ok, mais combien de Pokéball? J'espère qu'on m'en donne plus que 5 pour une fois. VPS, VP. Mais au moins, les gars, je peux direct capturer des Pokémon, ça fait plaisir par contre. Allez, cassez-vous. J'ai une bonne idée. Idée, quoi? Et si on faisait une compétition sur le nombre de Pokémon qu'on capture, en incluant le Pokémon que le professeur nous a donné? Celui qui a le plus de Pokémon à gagner. Mais c'est une vraie bonne idée. Et intéressant en plus. Qui plus est, nous remplirons plus de pages, ce qui aidera le professeur. Putain, mais ta mère, moi j'ai pas envie de capturer des Pokémon au début là, nique sa mère. Il y a que des Pokémon de merde où on est là. Ok, let's go. Voilà, fuck, c'est quoi cette malchance? Ratentif is coming. Niveau 4, mais le gars, moi je suis niveau 6. Pourquoi moi elle a pris un niveau bas alors qu'elle est plus haute que moi? Elle veut que je me fasse péter par un truc de merde, c'est ça? Nique sa mère. Big up. Sûrement si je faisais un petit coup critique des familles, ça me ferait très plaisir. Mais what? Mes PV, regardez comme ils descendent. J'ai déjà perdu 8 PV, pardon. Voilà, nique ta mère. Fils de pute. Voilà, je passe de level 7. Est-ce que j'apprends Flamèche maintenant ou plat? Ou plat, oui, bien sûr. Ouais, parfait ça. Mais non, mais. Il se fout de ma gueule. Ça, je me bats littéralement les couilles de sa mère. So guys, what, mais j'ai pas mis KO. Bonjour à tous et à tous, c'est Pitrol le Rageux dans une nouvelle vidéo Rage Kit. Pardon. Bon, on va bientôt s'arrêter, les gars. Please. Fils de pute. Pardon. Donc, au niveau 2, je vais le one-shot avec. Espérons qu'on le one-shot avec Flamache. Flamache. Inflamache.
ça l'a même pas one shot quoi. Ok, avec écrase face le prof il l'a presque tué quoi. Enfin, mis KO. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. À vous abonner, mais ce que je préfère le plus. Ce que je préfère le plus, c'est lire vos commentaires, les gars. Vraiment. Donc voilà. Et donc il y a toujours mon Facebook dans la description, mais je le dis jamais. Donc voilà, donc je vous dis. Attendez pour que ça charge, que ça sauvegarde. Voilà, et donc je vous dis, salut à tous, c'était Pitrol.